Les temps sont durs pour les consommateurs grecs confrontés à une hausse des prix sans précédent. Alors pour les aider, main dans la main, le ministère du Développement et les vendeurs de jouets ont mis en place le panier du Père Noël. Le dispositif permet de bénéficier de prix réduits sur une sélection de produits. Mais les clients croisés dans ce magasin semblent être sceptiques. Personnellement, je n'ai pas besoin d'acheter beaucoup de jouets. Je profiterai du panier si vraiment je trouve quelque chose que j'aime. Oui, nous connaissons ce système de panier, mais je ne sais pas exactement ce qu'il contient. Pour l'instant, nous pouvons nous permettre d'offrir des cadeaux au prix standard. De nos jours, nous devons acheter ce que les enfants ont demandé. Les vacances leur sont consacrées et nous ne voulons pas les gâcher. La sélection comprend un total d'environ 500 jouets. Et 15 enseignes en tout ont décidé de participer à l'opération. La décision du ministère du Développement ne précise pas le pourcentage exact de réduction sur chaque jouet du panier. Chaque chaîne décide elle-même de la remise qu'elle appliquera, mais en moyenne, les remises s'élèvent à 20%. Nous avons décidé d'inclure dans le panier des jouets de qualité que les enfants aiment et demandent lorsqu'ils écrivent leur lettre au Père Noël. La mesure sera valable jusqu'au 15 janvier. Les autorités espèrent que d'autres jouets seront inclus dans le panier dans les prochains jours.